Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les points de base au crochet et on va commencer par la maille chaînette. La maille chaînette peut aussi s'appeler maille en l'air. Sur les diagrammes, on la retrouve symbolisée par des ronds noirs avec un point blanc au milieu. Ce cercle noir avec un centre noir est une maille coulée que je vous expliquerai plus tard. Donc la maille chaînette ou la maille en l'air est bien symbolisée par un cercle noir avec du blanc au milieu. En anglais comme en américain, ce point s'appelle chain ou foundation chain. Et en espagnol, ce point s'appelle cadeneta ou cadeneta base. Pour commencer un travail, on prend le fil devant son index. On le tient avec le pouce et on fait le tour de notre index en croisant devant soi, donc en croisant ici, et en tenant avec le majeur, comme ceci. Donc on se retrouve avec une croix devant nous et un tour de notre index. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre le fil donc, qui est le plus proche de votre ongle, donc le fil de devant, celui-ci. Vous le tirez un petit peu. D'accord. Donc on se retrouve comme ceci. On prend le crochet qu'on passe à travers le trou. On met bien le crochet vers le bas. On prend le fil qui est derrière. Je mets le crochet vers le haut. J'enlève mon index. Je prends le fil qui ne va pas à la pelote et je tire. Ensuite, je prends le fil qui va à la pelote et je tire pour le fixer sur le crochet. Et ça, c'est le début du travail. Donc, pour faire une maille chaînette, il faut faire ce qu'on appelle un jeté, comme ceci. Donc, mettre le fil, faire presque un tour autour du crochet. Bien mettre le crochet vers le bas, prendre le fil et le passer à travers de la boucle que vous avez sur le crochet. Voilà. Ça, c'est une maille en l'air. Je recommence, je fais un jeté, je mets bien le crochet vers le bas et je le tire à travers la boucle. Là, j'ai deux mailles en l'air sur ce travail ou deux mailles chaînettes. Je recommence, je fais un jeté, je mets bien le crochet vers le bas. Et je le tire à travers la boucle que j'avais déjà sur le crochet. Et là, j'ai bien mes trois mailles en l'air.